Après, le petit Tintin qui est chez les ténébreux actuellement, tu as dit de ta propre bouche que c'est ta personne et que tu lui as parlé de moi. Tu lui as dit de ne pas t'attaquer à moi. Mais tel que je te connais, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Parce que toi, tu es partout, partout où il y a les gens qui vont m'assommer. Ton nom sort là-bas du camé. Donc, moi, il ne sait pas. Voilà, voilà, Nivakin. On a un petit problème ici. Même pas petit. Pardon, hé. Hey. On a nos problèmes ici. Tu cours, tu parles appeler du camé. Tu parles appeler. Je répète. La petite Priscaline, la petite Priscaline, avant de commencer à clasher, clasher à ton nom, me clasher à ton nom. Le petit PD là, Ndepso, pardon, le petit Ndepso qui clash avec l'oncle Lolo aujourd'hui. Tu as dit toi-même avec ta bouche du camère que c'était ta personne, que c'est ta personne. Et que vous avez parlé de moi. Le gars me clash à volonté. Il y a tout ton nom. Sopi, c'est ta soeur. Elle me clash à volonté. Il y a tout ton nom. Voilà Nivakin. Il me clash. En fait, on a nos problèmes. Tu cours, tu peux appeler Nivakin. Que dernièrement, tu as invité Loïc pour parler de moi. Du camé, tu vois pas que ça c'est un peu beaucoup. Donc tu es partout où il y a mon poison. C'est beaucoup. Je n'attends pas que ça soit énorme comme Mafo, comme Fleur de Lis l'a attendu du camé. Ça en fait, c'est beaucoup. Et puis tu me dis hier dans ton direct du camé que Sopi c'est ma soeur. Tu crois que quoi? Comme pour dire quoi? Comme c'est ta soeur, elle a le droit de m'insulter. Toi, tu m'appelles que je suis ta fille. Tu me dis que je suis ta fille. Sopi, c'est ta soeur. Elle a le droit de me clasher. Mais moi, je n'ai pas le droit de lui répondre. Parce que c'est ta soeur. Je suis ta soeur virtuelle. Coucou Chantal. Coucou Fabi. Donc, tous ceux qui me clashent du camer, tous ceux qui veulent mon poison sur Facebook, sont tes amis, sont tes gens. C'est pas bizarre? C'est pas bizarre? Tu ne trouves pas que c'est beaucoup? Et j'ai étudié tes paroles hier. Tu dis dans ton direct que Sopi, c'est ma soeur. Et j'ai eu à lui clasher. Tu n'as pas regardé qu'elle m'a insulté chez toi? Tu veux qu'elle sorte les vidéos où Sopi m'insultait chez toi? Tu veux qu'elle sorte les vidéos où Sopi m'insultait chez toi du camé? Mimi Rose, bonsoir. Maman Marcel, bonsoir. Tu veux qu'elle sorte les vidéos que Sopi m'insultait copieusement, insultait ta Fleur de Lis sur ta page? Tu veux qu'elle sorte les vidéos là? Tout mon poison, même ceux qui ne sont pas attachés à toi du camé. Tu cours, tu peux les appeler. Donc tu cherches les gens qui vont me tuer. Tu cherches les gens qui vont me finir. Mon cher ex-papou. Là où il y a mon mal du camer, c'est là-bas que tu veux t'installer. C'est là-bas que tu souris avec un sourire du chef bandit. Du camé, comment tu peux te placer devant les gens? Tu dis que je suis ta fille, c'est toi qui m'as formée. Et c'est toujours toi, sur ta page, que tu donnes la parole aux gens pour m'insulter. C'est toujours sur ta page que les gens commencent à m'insulter. C'est toujours sur ta page qu'on manigance tout. C'est toujours sur ton téléphone quand t'appelles pour te dire qu'on me manigance. Tu as causé avec le Ndepso. Que ne clash pas la lionne. Mais est-ce que tu es venu me dire que celui-là, c'est elle? Non.
c'était ta personne. Tous ces gens, les Priscaline, le petit Depsola, tous ces gens sont tes gens. Même Nivaki qui prend ses distances devant toi, tu cours, tu peux l'appeler. Que, ah, toi aussi, tu veux la peau de la petite là, je t'aide à avoir sa peau. Du camer, du camer, du camer, du camer. Non, non. À un moment donné, il faut arrêter du camer. À un moment donné, il faut arrêter du camer. Ça, ce n'est plus la bipolarité. C'est la méchanceté. Après, tu vas faire le direct pour m'insulter. Je ne t'ai pas insulté. Je te dis mes vérités. Ne m'insulte pas. Parce que vous êtes comme ça sur les réseaux sociaux que quand vous parlez, quand vous parlez, on ne doit pas vous parler. Quand vous faites ce qui n'est pas bien, on ne doit pas vous dire. Tu es le premier à allumer la caméra, donner les leçons de morale. Non, mais moi, j'ai dit à la lionne que vraiment, moi, c'est pas bien et tout. Mais c'est toi qui dis que tu es mon papou. C'est sur ta page qu'on commence à m'insulter. C'est au téléphone qu'on commence à manigancer mes injures, ma mort. C'est partout qu'on manigance mon nom. Tu es là. Tu es là. Aujourd'hui, tu as la rancune là où tu cherches même les gens qui vont me tuer. Pour t'accrocher sur eux. Pour venir activer le feu. Du camer. Du camer. Du camer. Tu sais quoi? Il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie. Il n'y a pas que l'argent qui compte. Et arrête de dire que j'ai formé celle-là. Tu m'as formé en quoi? Tu m'as donné un peu de visibilité, c'est tout. Tu as formé quoi sur moi? Tu as formé quoi sur moi? Et non seulement ça, tu ne m'aimes pas. Du camer, tu ne m'as jamais aimé. Quand on dit même aimé, quand je parle d'amour, ce n'est pas vos histoires d'amour, quoi que vous allez parler. Jusqu'à tu dis, quand Loïc parlait, tu dis que moi, pareil, j'ai essayé, mais vraiment, tu ne trouves pas que vous êtes bizarre? Que moi, je vais vous aimer comment? Tu ne trouves pas que vous êtes bizarre, du camer? Je vais vous aimer comment? Il y a le sang que mon père a mis dans moi, que quand tu me détestes, même quand elle cause avec toi, je fais attention. C'est pour ça qu'avec vous, l'histoire d'amour de Ndolo, là, ça n'a pas donné. Et d'abord, quand on vous a dit qu'elle venait sur les réseaux sociaux chercher le mari, on vous a dit qu'elle venait sur les réseaux sociaux chercher les maris, tu dis que même moi, j'ai eu ce petit... Regarde-toi aujourd'hui. Tout le monde va me donner raison. Même s'il arrivait que je n'avais pas d'amis, que je cherchais vraiment le mari sur les réseaux sociaux. Regarde ton comportement. La personne qui veut me tuer, tu cours. Quand elle dit tuer, c'est pas que vraiment me tuer, mais vraiment, c'est-à-dire me clasher ou je sais pas trop. Qui commandit, qui va me taper et tout. Tu parles, appeler, jusqu'à tu ris et puis tu viens lancer le direct pour parler de moi. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte du camer. Tu sais quoi? Dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que courir pour avoir la notoriété. Ce n'est pas ça qui va faire de toi le président des blogueurs. Même le fait de dire même que tu m'as fabriqué, c'est beaucoup pour toi. Tu es parmi ceux qui se battent sur les réseaux sociaux pour m'abattre. Et vous ne savez pas qu'au fur et à mesure que vous cherchez à m'abattre, quand vous me jalousez, vous créez les groupes pour parler de moi, vous vous appelez pour me jalouser. Au fur et à mesure que vous faites ça, Dieu me fait avancer. Vous avez vu, il y a certaines personnes qui ont décidé de ne plus venir dans mon blog. Ça me plaît. Ça m'arrange. Mais je m'en fous. Mais qu'est-ce que je peux m'en foutre? Tant que c'est que t'as rien fait, tu dégages et dis que bon débarras. Bon débarras. Si tu pars même sans me faire du mal, et te dis merci. Si tu décides d'aller croquer mon nom dans le noir, ça n'engage que toi, mais n'essaye pas de venir face à face. Hein? Donc, calé dans le noir, vous vous appelez, vous faites le Congo ça sur moi. N'essaye pas de venir face à face ou de faire un mauvais commentaire sur moi, genre, je te lave. C'est Dieu qui m'a positionné là.
faux petit coup bas, c'est nul et sans effet. Du Cameroun, tu vas comprendre que peut-être que Dieu voulait même te bénir en faisant en sorte que tu poses même la main sur moi avant qu'elle passe sur les réseaux sociaux. Mais tu n'as rien compris. Tous les jours, tu te descends. Tous les jours, tu te descends. Tu veux m'abattre. Tu dis, mais on va fabriquer, mais tu veux m'abattre, du Cameroun. Tu veux abattre mon talent. Tu te bats pour m'abattre, du Cameroun. Dieu ne peut pas accepter. Toi et cette bande de personnes qui s'appellent derrière pour me foudre, pour créer les choses sur moi, pour faire croire aux gens que je suis n'importe quoi et n'importe qui, pour faire croire aux gens que je cause avec n'importe qui et n'importe comment. Dieu ne peut pas accepter que vous m'abattez comme ça. Ce n'est pas vous qui m'avez placé là où je suis. C'est Dieu. Donc allez chercher soit le diable, soit vous demandez encore à Dieu de revoir mon talent. Soit vous demandez à Dieu de revoir mon front. Tu dis que tu es mon papou. Tous ceux qui veulent me descendre, ils sont amis avec toi. Ils viennent dans ta page. Dès qu'ils ont les problèmes avec moi, ils viennent. Tu deviens leur ami. Du Cameroun. Tu deviens leur ami. Voilà ma collègue là-bas. On peut me finir. Parce qu'on parle de toi et te défend. Parce que je suis comme ça. Je me suis battue pour vous arranger. Pour qu'on ne t'insulte plus. Pour qu'on ne vous insulte plus. Mais à l'occasion qu'on voit mon poison. Qu'on voit là où on va me finir. C'est là-bas que chacun va aller s'asseoir et sourire. Du Cameroun. Donc n'ouvre plus ta bouche pour dire que tu m'as fabriqué. Tu as essayé de me défabriquer, ça n'a pas donné. Voilà ton talent, voilà ce que tu veux me faire. Tu essaies de me défabriquer. Tu cherches les gens qui peuvent m'abattre sur les réseaux sociaux, mais tu n'arrives pas à trouver. Parce que ça, c'est Dieu qui a donné. Le mental, si, c'est Dieu qui a donné du Cameroun. Tu ne sais pas d'où je sors. Du Cameroun, tu ne sais pas, tu ne connais pas ma vie. Donc, n'essaye plus de t'allier avec qui que ce soit pour essayer de me descendre. Tu as compris? N'essaye pas. Parce que tu peux chercher à faire les coups beaux aux gens, mais il y a une personne que tu vas trouver ta malchance sur elle. Une seule personne que tu vas porter ta poids sur elle. Tu vois comment à chaque fois que tu m'attaques, tu descends. Je connais te donner la chance. Et quand tu m'attaques, toi-même, tu vois comment tu descends. Non? Je suis comme ça. Quand on dit que c'est pour ça que je suis dans la lumière. Je ne suis pas dans les ténèbres et dans la lumière. Je suis dans la lumière. Du Cameroun, n'essaye pas de m'abattre. Tu ne peux pas m'abattre sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas. Même tous ceux qui s'appellent pour manigancer quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas. Vous avez quelle tête? Il y a dit que même 1000, allez vous entasser, même 100, appelez-vous. Faites ce que vous voulez. Hey, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est Dieu qui connaît ce que j'ai traversé dans ma vie. Vous connaissez d'où je viens. Vous connaissez mon parcours dans ma vie. C'est Dieu qui connaît. C'est lui qui peut m'abattre. Parce que c'est en lui que j'ai mis ma confiance. C'est pas en allumant les bougies comme je vois l'autre a fait là. Que j'ai tout ce que j'ai. D'accord? Donc, ne te bats plus. N'essaye même plus de te rallier à qui que ce soit pour vouloir me descendre du Cameroun. Bats-toi pour que j'en mente. C'est valable, c'est mieux pour toi. Parce que si tu te bats pour qu'elle descende, il n'y a pas le jour où je vais descendre du Cameroun. Tant que Dieu n'a pas dit descends. Et c'est valable pour ceux qui sont dans le noir, qui cherchent à m'abattre. Battez-vous pour que je réussisse. C'est valable pour vous. Arrêtez de vous battre pour qu'elle descende. Depuis que vous faites là, je suis descendu. Depuis que vous avez décidé que je ne soutiens plus la lionne,
Vous avez vu, je suis descendu, ça a diminué quoi sur moi? Quand elle va avoir mes 600, 700, si je veux même avoir 1000, je vais avoir 1000. Ça ne chauffe pas. C'est mon don, c'est Dieu qui a donné. C'est pas vous. C'est pas vous. Donc, allez vous entraîner bien. J'ai pas peur de vous. Je vois vos petites manigances, vos petits mots là. Je m'en fous. Hey, je m'en fous. Allez vous rallier. Allez vous tisser. Faites ce que vous voulez, je vois. Mais je m'en fous. Il veut que tu partages tes machins avec lui. Et c'est la force. C'est la force. S'il veut partager les machins avec moi, il cause avec moi. Il a dit que j'étais sa fille, non? Il n'a pas dit ça. C'est la force. Et c'est en cherchant les gens qui vont me descendre. Qui va faire ça? Qui va réussir à partager les marchés là avec moi? Du n'importe quoi. Ce qui est à moi, ce que Dieu a dit que c'est pour la lionne. Personne ne peut enlever cela. Et c'est pour ça qu'elle défend Fleur de Lys. Et je ne vais jamais être contre Fleur de Lys. Parce que je n'aurai jamais sa lumière. Et elle n'aura jamais mon visage. Donc ça ne vaut pas la peine de le combattre. Je peux apprécier et quand j'apprécie, ça augmente mes chances. Quand je dénigre, quand je rabaisse, ça diminue mes chances. Pourquoi je veux faire le mal? Ducamer n'essaie plus jamais de m'abattre dans mon bloc. N'essaie plus jamais de m'abattre. N'essaie plus jamais de me rabaisser. Sinon, c'est toi qui vas tomber. Il y a les enfants qu'on ne touche pas. Ducamer. Il y a les enfants qu'on ne fait pas les coups bas. Il y a les enfants qu'on ne fait pas comme ça. Tu n'as pas honte de te placer et dire hier que tu es parti appeler Nivaki. Tu sors la photo que vous êtes trois. Toi, Mini Minor, Mafo. Et toi. Moi, je peux sortir ma vidéo que je suis avec ma Mafo. On s'amuse bien. Il y a quoi? Chacun a sa relation avec Mafo. Quand tu sors la photo là, quand tu clashes Mafo, tu ne peux pas regarder cette photo et dire que pourquoi j'accepte que cette femme qui est venue m'aider à mon deuil, pourquoi elle accepte qu'on lui clashe? L'homme Lolo est venu t'aider. L'homme Lolo que tu dis que si Lolo ne t'attaquait pas, c'est que tu as bien précisé que si Lolo ne t'attaquait pas, c'est que tu supportes Lolo dans cette affaire. Oui. Donc ça t'arrange quand Nivakin fait ça. Fleur de Lys qui t'a aidé. Aujourd'hui, partout où il y a son dénigre, tu es là-bas. Quand tu veux me combattre, tu sors les photos. Mini Minot est comme vous. Quand tu mélanges les choses là, Mini Minot est comme vous. Tu as vu Mini Minot dans la saleté? Il est lui à distance, il regarde. C'est un gars intelligent. C'est un gars qui a la tête. Il n'est pas dans la sorcellerie. Il n'est pas dans la jalousie. Il n'est pas dans les envies. Il n'est pas envieux. Mini Minot gère sa petite vie. Tranquille. Sa petite notoriété que Dieu a donnée. Quand il peut sortir, apprécier, il sort, il apprécie. Quand il n'a rien à dire, il ferme sa bouche, il reste dans son coin. Il n'est pas comme vous, comme toi et ton Nivakin. Vous sortez tout comme des femelles. Vous sortez tout comme des femelles. Toi, tu crois que tu peux te rallier à Nivakin pour me faire quelque chose? Ducamer. Tu crois que tu peux te rallier à qui? Sur les réseaux sociaux pour me faire quelque chose? Regarde bien. Observe autour de moi. Comment les gens me combattent. Mais ça part où? Ça a changé quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi? Toi-même, tu as dit que Fleur de Lys ne pouvait jamais me rencontrer. Le numéro 9 de Facebook, celle qui vous couronne, qui vous dépasse, vous tous, qui nous dépasse. Oh ah! Celle qui nous dépasse. Vous allez combattre dans le noir, fatigué,
pour éteindre sa lumière. Ça ne va rien donner. Tout comme vous, le combat que vous êtes en train de faire contre moi, ça ne va rien donner du Kamer. Ça ne va rien donner parce que c'est Dieu qui a donné. Nous-mêmes, moi-même, je ne sais pas pourquoi. Depuis quand vous me dénigrez là, personne ne vous écoute. Je ne sais pas. Tous les jours, il y a les nouveaux profils. Tous les jours, il y a les nouveaux profils qui m'adorent. Tous les jours, il y a les nouveaux. Des groupes de personnes décidées, on ne parle plus chez elles. On ne commande plus chez elles. On ne fait plus ceci. Ils partent mettre les cœurs là-bas quand tu m'insultes. Ils partent se rallier. Quand tu parles de moi, est-ce que ça me fait quoi? Allez même liker, vous mettez même vos, vous donnez même vos fesses là-bas, ça me fait quoi? Depuis que vous avez fait ça contre Fleur de Lille, vous avez vu ça changer quoi dans sa vie? Ça a changé quoi dans sa vie? Vous croyez que vous allez faire ça dans la vie d'une neuf junior comme moi là? Ça va changer quoi dans ma vie? Rien du tout. Du Kamer, n'essaie plus jamais de m'abattre dans mon bloc. Tu ne peux pas. Toi-même, tu ne savais pas qui tu, à qui tu parlais. Tu ne me connaissais pas. Demande à Aïcha qui suis-je. Peut-être toi, tu m'as connu maintenant. Aïcha me connaît depuis. Tous ces gens-là. Peut-être c'est aujourd'hui que tu me connais. N'essaie plus jamais de m'abattre. Hé, je parle pas seulement à lui, hein. À vous qui essayez. Dans le noir, vous vous appelez, vous cicatrisez mon nom là. Ne vous battez plus. Battez-vous pour que je réussisse, pour que, vous, pour que je progresse encore plus. Parce que vous n'avez même encore rien vu. Comme ça, vous serez au moins fiers de la personne que vous avez encouragée. Ne vous battez plus pour me descendre. Ce n'est pas vous qui m'avez mis ici là. C'est Dieu. Depuis que vous vous battez là, ça donne quoi? Ça fait combien de mois que vous vous battez? Ça donne quoi? Il y a tous les gens qui m'écoutent. Il y a tous les gens qui partagent mon direct. Il y a toujours les gens qui disent « Waouh, la lionne !» Et je vous dis une chose. Moi, vous n'avez même jamais, vous n'avez pas encore vu. Vous n'avez encore rien vu. Il y a les gens que quand ils écoutent seulement ma voix, ils sont contents. Je vous dis ça aujourd'hui. Que c'est arrivé, c'est déjà à ce niveau. Il y a les gens que quand ils écoutent ma voix du Kamer, ils sont contents. Quand ils m'appellent même dans mon eBay, ils écoutent seulement ma voix. Ils sont tellement émus. C'est à ce niveau du Kamer. N'essayez plus de me descendre. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Je suis déjà à ce niveau. Donc, si tu cherches à m'abattre, c'est toi qui vas tomber. Et voilà pour les autres qui s'appellent dans le noir pour combattre contre mon bloc, pour vouloir, quand je fais ce qui est bien, ils ont honte d'apprécier, ils sont tous en train de vouloir dénigrer. Vous avez fait ça jusqu'à quand? Vous souffrez. Vous avez trop de souffrance. Vous avez trop de souffrance. Moi, je vous apprécie, mais vous êtes tout en train de me dénigrer. Vous n'êtes pas rassasié. Depuis là, depuis que vous faites ça, depuis que vous avez tissé tout sur moi, ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Il y a des cas du Kamer partout où on veut me finir. Tes narines sont là-bas. Tes narines sont là-bas. Vous voulez me finir pourquoi? Pourquoi vous voulez me descendre? Vous avez dit que, ma chérie, t'es Cameroun, toi. Hein? Il faut parler des histoires du Cameroun. Mais vous me parlez, non? Oh. Vous me parlez des histoires du Cameroun. Vous-même, vous avez vu ce qui est arrivé aux journalistes là. C'est pour ça que j'ai mis le titre de journaliste qui est décédé. Parlez! Du Kamer, pourquoi tu ne veux pas venir au Cameroun? Vous tous là, pourquoi vous fuyez? Venez, non?
Venez. Parlez du Cameroun, vous venez. Comme c'est moi votre moins cher. Avec Nivakin, tu m'aimes trop Nivakin pour me demander de parler des trucs du Cameroun. Toi-même, tu peux parler, non? Ta bouche est seulement fort pour insulter les gens. Toi-même, tu peux parler. Si tu as les couilles, si vous avez les testicules, parlez. Si tu as les testicules, parlez des choses du Cameroun. Vous avez d'abord là que vous tremblez, pour venir au Cameroun. Moi, je suis là. Vous me demandez de parler des trucs du Cameroun. Donc, vous m'aimez trop. Donc, vous là, vous n'êtes pas Camerounais. Mais vous parlez de moi. Vous avez le droit de parler de moi. Mais moi, je n'ai pas le droit de parler de vous. Parce que vous êtes King Kong. Vous me nourrissez. Vous me nourrissez. Vous racontez du n'importe quoi. Vous êtes complexé, tout simplement. Par ma présence dans les réseaux sociaux, dans le milieu du bloc camerounais. Vous avez le complexe de me voir monter à la vitesse supérieure. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Du Cameroun, tu ferais mieux de chercher à me faire encore évoluer que de chercher à m'abattre. J'appelle mais les gens qu'on en clash. Tu dis que j'ai appelé. Non, mais je suis pas d'accord. Parce que elle, cette fille, elle a clashé. Qui ne connaît pas ce que Sophie a dit de moi? Qui ne connaît pas les provocations de Sophie envers moi? Quand on a eu les problèmes, Sophie ne venait pas m'insulter. Tu veux qu'elle prenne les vidéos là et poste? Attendez. Tu veux qu'elle cherche les vidéos là? Je poste du camé. Sophie ne m'a pas lavé sur ta page. J'avais qu'un problème avec Sopi. Sopi me connaissait où? Sopi connaît Flor de Nilou. Sopi, on ne se connaît pas. Sauf si peut-être toi, tu parlais de moi avec elle. Elle me connaissait où? Pour m'insulter comme elle m'avait insulté chez toi. Et chaque fois quand Sopi a l'occasion, elle m'insulte. Qu'est-ce qu'elle partait par écrit à Loïc? Elle écrivait quoi chez le gars là? Parce qu'elle a vu que elle a vu le virtuel qu'on faisait sur les réseaux sociaux. Elle a cru que vrai, nous sommes en couple. Elle courait pour aller là-bas écraser mon nom ou bien chercher à sortir avec lui. Draguer comme elle a l'habitude de border partout là. Pourquoi qu'elle dit que Sophie c'est une bordel, tu dis qu'elle est insultée. Elle-même n'a pas avoué chez toi qu'elle borde. Du comme Sophie, ta soeur que tu dis là, elle n'a pas avoué qu'elle appelle tes abonnés. Qui a gâté ton émission de hacker? Non, c'est pas à cœur. De ton émission de drague que tu avais formée dernièrement quand tu me clashais. Moi-même, j'étais aidée du Camer. Quand j'étais avec toi, on créait les choses. On faisait les blagues là-bas. Flop, ça te donnait beaucoup de choses. Tu vas pas nier cela. Sophie est venue gâter toutes tes émissions. Toi, tu es incapable de dire que ta propre sœur du Camer a gâté tes émissions parce que c'est ta sœur de Ngombe. C'est ta sœur de Ngombe. Tu meurs pour elle. Elle ne meurt pas pour toi. Hein. Elle ne meurt pas pour toi. Tu meurs pour elle, mais elle ne meurt pas pour toi. Parce que c'est entre vous les mauvais, mauvais, mauvais cœurs. Toi, tu viens, tu dis que Sopi, je parle à ta soeur, ta propre soeur qui a cherché à m'humilier, fatiguer, ça n'a rien donné. Sopi est allé jusqu'à faire le direct pour me clasher. Quand tu m'as clashé, Sopi a cru que je suis descendue. Elle est allée faire le direct sur sa page pour me clasher. Je n'ai même pas encore regardé son direct jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a les petites personnes qui m'intéressent par eux. Quand elle vous dit que j'ai que vos patrons, vous ne comprenez pas. Sopi, je gère que tes patrons. Long Lolo, qu'est-ce que j'en ai à foutre de toi? Je passe sur toi comme le vent. Il n'y a pas un jour que je ne veux pas laver Sopi. Il n'y a pas un jour, c'est mon caleçon. Je lave Sopi comme je veux, du Camer. Comme je veux, tout comme elle lave Flor de Nil comme elle veut. Je lave Long Lolo quand je veux, comme je veux. Je lave qui je veux. C'est seulement vous qui avez le droit. Donc vous me lavez, vous m'insultez, vous me dénigrez. Je n'ai pas le droit de répondre. Vous insultez Flor de Nil de tous les noms d'oiseaux. Personne n'a le droit de défendre.
Parce que tu te places, tu dis que pourquoi la lionne défend Fleur de Lys? Fleur de Lys a sa bouche pour défendre. Pourquoi tu viens défendre Nivakine? Nivakine n'a pas sa bouche. Qu'est-ce que tu parles même du Cameroun? Tu parles même de quoi? Tu parles de quoi du Cameroun? Tu t'entends parler? Tu t'entends parler? Jusqu'à preuve de contraire, t'es pas encore insulté. Parce que on se connaît. On se connaît, tu vas aller dire que, hein, vous voyez, c'est une petite fille qui insulte, je t'ai pas insulté. Je te dis tes vérités. Je dis tout haut, ce que les gens pensent tout bas. Il faut arrêter, tu camères. Il faut arrêter. C'est moi qui a formé la lionne et c'est toujours toi qui veux descendre la lionne. C'est toujours toi qui veux m'abattre dans mon bloc. Tu as tout fait, rien. Tu as tout combattu pour m'abattre, rien sur les réseaux sociaux, rien. Parfois, tu es obligé de m'apprécier. Parfois, tu te retrouves que le truc-là monte encore dans ta tête. Tu cherches à me descendre. Si ce n'est pas vouloir me descendre du camer, tu as appelé Nivakine hier sans m'appeler derrière aussi. Et après, tu viens lancer le direct. Tout ce que tu as fait là, c'était pour faire quoi? Non, mais attends, explique-moi. C'était pour faire quoi? Si ce n'est pas pour m'abattre dans mon bloc. Non. Orzane, il monte dans mon direct. Il veut juste être de tous côtés. Il veut être tous côtés et ça ne donne pas. Tous côtés, il veut être vert, rouge, jaune. Il faut faire comme Ahmed Kamé. Ahmed Kamé, quand Fleur de Lys fait n'importe quoi, il défend d'abord. Même si elle fait quoi, Ahmed Kamé défend d'abord sa personne. Avant maintenant d'appeler sa personne et dire que toi-même, Reine, mais tu as fait quelque chose. C'est ça la loyauté. Toi, tu es seulement là comme ça. Jusqu'à ce que tu arrives sur ta propre fille. Tu veux me descendre. Tu n'as même pas pitié que non. Celle-là, au Cameroun, elle se bat. C'est toi qui veux m'abattre. Vous êtes Bengis par où? Tu allumes toi carrément direct un dimanche que tout le monde est à la maison. Fleur, c'est son ami. Écoutez. Non. Parce qu'elle veut parler, vous allez croire que j'invente. Écoutez vous-même. Écoutez. Et moi, j'ai du respect pour Nivakine parce que Nivakine m'a soutenu quand j'ai perdu ma mère. Il était là, Fleur était là, ils étaient tous ensemble. Donc, quand il y a des... Nivakine t'a supporté quand tu as perdu ta mère. Fleur était là. Et Nivakine est venue à cause de Fleur. Et plusieurs fois, Nivakine t'a dit cela. Nivakine, même quand il te clashait, il a dit que moi et tout, il dit à Flo que je ne voulais pas venir à ton deuil. Oui, la dernière fois qu'il te clashait du camer, Nivakine a dit que je ne voulais pas venir à ton deuil. C'est Flo qui m'a forcé. Il dit que j'ai bien dit à Flo que ne partons pas. Flo a dit que non, partons. Aujourd'hui, tu veux prendre l'exemple qu'il est venu à ton deuil. Mais quand on insulte Fleur de Lys dans ton bloc, tu ne penses pas qu'elle est venue à ton deuil. Quand il est là-bas, il insulte Fleur de Lys. Oh wow, il est monté dans en parabole là. Il dit comment il traite les abeilles de tous les noms d'oiseaux. Les abeilles qui l'ont nourri. Tu ne parles pas. Alors qu'ils sont venus à ton deuil. Tu les aimes trop. Comme ça, à un moment, ce que je comprends autour du flanc, c'est que je comprends. Peut-être que les gens attendent plus d'attention, plus de machin, mais Flo ne peut pas donner ça. Flo est une personne qui a sa maman qui est là, elle essaie de vivre sa vie. Donc, si les gens sont fâchés, peut-être comme Nivakine, c'est parce qu'il ne reçoit pas trop de l'attention de Flo, quoi que ce soit. Peut-être que c'est ça. C'est ça, ce n'est pas que c'est peut-être. Mais il a le droit d'avoir les poulets avec son père. Tu es tout comme ça. L'agneau. Donc, moi, je n'ai pas été très d'accord du direct que tu as fait. Sur lui. Voilà. Je n'ai pas d'accord du direct que j'ai fait sur Nivakine.
Est-ce que la dernière fois que Nivakine m'a insulté du Kamer, tu as toi en tant que mon papounette, toi qui maîtrises Nivakine, ah, donc tu étais donc d'accord qu'il m'insulte. Tu vois qu'elle a raison quand elle dit que tu es partout où on veut ma mort sur les réseaux sociaux. Tu es partout où on veut m'abattre. Tu es d'accord? Quand il est venu m'insulter du Kamer, est-ce que tu l'as appelé pour lui dire qu'arrête d'insulter ma fille? Ou bien tu as lancé le direct pour dire Nivakine, même avec la politique, pour dire que ma personne, comme tu dis que c'est ta personne là, est-ce que tu as dit que ma personne n'insulte plus ma fille? Tu as dit ça? Tu m'as défendu? Non. Tu es resté bouche bée, tu étais content. Tu étais dans ton cœur, tu étais fier parce que tu te disais qu'il va m'abattre. Il n'est même pas prêt. Donc cherche quelqu'un d'autre. Très d'accord. Nivakine et Flore sont des personnes qui se connaissent, qui ont été ensemble. Donc si à un moment il peut se fâcher, il pense que tu peux te dire. Donc honnêtement, ce live n'a pas été d'accord. Défendre. Nivakine peut se fâcher. Je ne veux plus entrer dans le dossier de Nivakine. Mais puisque tu veux m'acculer, je vais expliquer. Nivakine est la personne de Flore, je ne refuse pas. Mais s'il est fâché de Flore, il n'a qu'à appeler Flore. Pourquoi se rallier aux ennemis de Flore de Lille? Pardon. Du Kamer. Pourquoi se rallier aux ennemis de Flore de Lille du Kamer? Pour faire comprendre à Flore qu'il est fâché. Pourquoi aller se rallier dans les ténèbres avec les gens qui ont passé des nuits et des jours pour tisser comment ils vont finir avec Flore de Lille? Pourquoi aller là-bas se rallier? Toi qui es donneur de leçons, pourquoi tu n'es pas allé dire à Nivakine que ce n'est pas loyal ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu n'es pas allé lui dire ça? Compresseur, excusez-moi, hein, mes mamous, de prononcer vos noms, mais je vais aller un peu vite. Compresseur, qui est ta personne du Kamer, que tu dis que oui, c'est ta personne, qui t'encourage, qui t'appelle vous causer. Hein? Nivakine est en train de laver copieusement Compresseur, avec tous les noms d'oiseaux. Nivakine, c'est aussi ta personne, tu causes avec eux trois, vraiment de Dieu. Tu causes avec eux trois. Pourquoi ne pas appeler Nivakine et lui dire, tiens, tu es ma personne, pardon, laisse. Pourquoi? Comme tu es un bon donneur de leçons, ou c'est seulement sur moi que tu es fort. Pourquoi tu n'as pas lancé un direct pour dire que Nivakine arrête ce que tu fais sur Compresseur? Pourquoi tu ne fais pas ça? Moi, je vais vous dire, au départ, quand Nivakine parlait, quand j'ai commencé à vouloir répondre, il m'a clashé, ça vous a plu. En fait, pas vous, mes amours. Ça a plu à beaucoup de personnes. Certains étaient contents parce qu'on croyait qu'enfin on a trouvé celui qui va abattre la lionne. J'ai gardé mon calme. J'ai pris le temps de l'observer, de rire de ce qu'il fait. Je l'observais pour voir là où il va arriver. Pour voir son point faible. Hein? Mais j'ai compris que c'est quelqu'un sans valeur. Qui ne valent rien. Toi, en tant que du Kamer, président des blogueurs, on insulte Compresseur, qui est le 10 de Facebook. On insulte Flore de Lille, qui est le 9 de Facebook. Toi, en tant que président des blogueurs, qu'est-ce que tu as dit? Quand tu fais le direct pour faire un peu comme si tu défends Flore, après tu donnes les paroles, on l'insulte. Quand tu fais un peu le direct pour défendre Compresseur, tu donnes le direct, tu tournes un peu, on l'insulte. Lolo l'insulte tous les jours. A même versé son sang partout dehors. Qu'est-ce que tu as dit? Voilà ton ami Nivakine qui la lave tous les jours. Quand elle sort pour parler, tu pars te rallier à lui pour m'étouffer. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pris mon temps pour vous observer. Je me suis dit qu'entre vous les grands là, entre vous là, vous allez appeler Nivakine et le calmer. Mais je ne peux pas supporter tous les jours le voir insulter les mamans là comme ça. Insulter les culs des mamans des gens. Tu n'as rien dit.
pour le peu que je suis sorti, lui dit que je ne l'ai pas clashé avec Ducamer. Mon premier direct qu'elle fait sur Nivakine, je ne l'ai pas clashé Nivakine. J'ai décrypté son live. Il est venu m'insulter. C'est là que ça m'a énervé. J'ai commencé à l'insulter. Mais le tonton Simon est venu ici me parler. J'ai compris. Mais toi, comme tu cherches à m'abattre, tu cours, tu parles appeler, tu te rallies à lui, tu viens lancer le direct pour abattre mon moral. Tu n'es même pas prêt. Flo, ne voudrais pas dire que tu vas entrer dans toutes les histoires qu'il a commencé. J'entre où je veux. Dans tout, Fleur Denis t'a dit que ça lui dérangeait. Quand tu parles, c'est Fleur Denis qui t'a envoyé dire ce que tu dis là, Ducamer. C'est elle qui t'a envoyé dire ce que tu dis là. Voilà. La dernière fois, c'est que toi, la lionne, comme tu parles, Fleur n'aura jamais ton temps. Fleur ne va jamais partager ton dire. Tu es dans son cœur. Même si elle ne partage pas, on t'a dit qu'elle lui défend parce que je veux qu'elle partage. Tous ces gens qu'elle défend là. Donc tu crois que même Emmanuel Keïta, que j'aime bien là, parfois elle partage ces choses là. Tu crois que c'est parce qu'elle veut qu'elle partage mes choses ou bien pour qu'elle me défende? Non. Je dis qu'elle est du camé. Il y a les gens qui aiment simplement. Il y a les gens qui aiment simplement. C'est comme ça. Pas d'accord avec ça. Tu n'es pas d'accord, mais c'est toi qui fous ton nez partout dans mes choses. Tu ne peux pas entrer dans ce problème. Nivakine et Flo, moi-même, là, je ne peux pas entrer dans ça. Tu ne peux pas entrer dans ce problème parce que tu es de tous côtés. Ça t'arrange. Tu es ami là-bas. Tu es ami ici. Tu es le président des blogueurs, alors pourquoi? Je ne veux pas insulter ton talent. Moi-même, je ne peux pas. Parce que Nivakine a été plus proche de Flo. Et je te rappelle que quand j'ai commencé à parler à Nivakine, j'ai dit que je parle à Nivakine en tant que blogueuse du Camer. En tant que blogueuse, je ne parle pas au nom de Fleur de Lille. Je parle en tant que blogueuse. J'ai bien précisé au départ que enlever le nom de Fleur de Lille. Toi, tu ramènes à Fleur de Lille parce que tu veux qu'on clash Fleur de Lille. Oui, parce qu'on connaît à ta technique. Tu veux qu'on clash Fleur. Tu veux que Nivakine clash Fleur de Lille ouvertement. Parce que lui, il clash. Il est en train de parler en parabole. Mais toi, tu veux mettre le feu parce que c'est ton travail. Je vous ai dit que vous ne me maîtrisez pas sur les réseaux sociaux. Je prends mon temps pour observer les gens. Quand elles sortent, c'est avec mes raisons. Si je ne suis pas d'accord avec ça, je sais que c'est des gens proches. Je ne suis pas allé là-bas. Et voilà. On est là. C'est quelqu'un qui m'a. Il a été là pour moi, avec Flo et toute la bande. Voilà. Je pense qu'il faut avoir essayé. Avec Flo et toute la bande. Voilà. Je pense qu'il faut avoir essayé. Je ne t'ai pas insulté. Si tu veux, tu allumes le direct, tu m'insultes. C'est ton problème. Je vais maintenant vous répondre qu'en décryptant vos lives. Il a tout à fait le droit. Dans l'affaire de Lolo, il a le droit de dire supporter Lolo. Ah. Donc, Nivakine a le droit de parler sur les affaires de Lolo. Et moi, je n'ai pas le droit de défendre Fleur de Lille. C'est ça. Non, Ducamer, tu es le président des blogueurs. Mais toi, tu prends les partis. Donc, Nivakine a le droit de dire que Lolo a raison alors qu'elle a tort. Nivakine a le droit d'insulter Fleur de Lille en parabole. D'insulter Compressor ouvertement. D'inviter Lolo dans son direct pour insulter Compressor. Il a le droit de le faire. Et moi, je n'ai pas le droit de défendre qui que ce soit. Je n'ai pas le droit de lui dire d'arrêter d'insulter les mamans des gens. Tu parles de quoi au juste, Ducamer? Tu crois que ce que tu dis là, tu es crédible? Tu crois que tu perds ta crédibilité devant tes abonnés? Tu dis quelque chose, c'est son contraire. La lionne n'a pas le droit de mettre sa bouche dans les problèmes de Nivakine et Flore. Mais Nivakine a le droit de mettre sa bouche dans les problèmes de Compressor et Lolo. De Fleur de Lille et Lolo. Donc, c'est vous seul qui avez le droit de mettre vos bouches dans les problèmes des gens. Mais nous on n'a pas le droit. Qui t'a mandaté pour faire ça? Qui t'a mandaté, comme mon ami le milliardaire parle souvent, pour venir parler les choses comme ça? Vous avez menti.
On n'a qu'à se respecter. D'accord. Non, ma fille, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as ouvert dit pour parler du gars. Je sais, Roxane. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas forcément une bonne manière. Tu n'es pas d'accord par rapport à quoi? Tu dis que ma fille, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord par rapport à quoi? Par rapport à ce que ta fille a pris son courage et est venue dire à un, je ne sais pas comment elle va le qualifier parce que tonton Simon a dit que je l'insulte plus. Tu n'es pas d'accord parce que on a dit que celui-là ne vient plus insulter les mamans des gens, ne vient plus insulter les femmes. Tu n'es pas d'accord pour ça en tant que président des blogueurs, tu ne défends pas la femme. Tu n'es pas d'accord parce que ta fille, la lionne, a pris son courage pour venir dire à Nivakin d'arrêter de se rallier aux ennemis de celle qui a été sa maman sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas d'accord pour ça? D'arrêter d'insulter les abeilles qui l'ont nourri? Tu n'es pas d'accord pour ça? On n'a qu'à se respecter. Flor aime Nivakin, que ce soit n'importe comment. C'est son fils. Tu dis que Flor aime Nivakin, que ce soit n'importe comment, c'est son fils, c'est normal. Tu crois que nous, on aime Flor de lui, pourquoi? Parce qu'elle a un cœur d'amour, parce qu'elle a un cœur de maman. Elle aime tout le monde. Voilà ce qu'elle va aller chez Foufou. Voilà ce que Foufou a dit qu'elle va héberger Coco cuisine. Est-ce que ça a dérangé Flor de lui? Elle est sport, elle a notre cœur là. Tu vois, tous les jours m'insulte, ça me fait quoi? Elle est sport, même maintenant qu'elle parle de toi, tout ce que tu as fait là. Je vais rire. Si tu m'appelles, je vais répondre. Tu ris, je vais rire. Mais dans mon cœur, c'est que tu ne m'aimes pas. Dans mon cœur, c'est que tu vas t'acheter. Tout comme il faut faire là, c'est comme ça qu'elle fait avec toi. Et c'est que tu peux aller là où on va me finir. C'est comme ça. Tu es comme ça, on ne peut pas te changer. Quand une mère et un fils ont un problème, faut pas je refuse d'entrer là-dedans. Tu refuses d'entrer là-dedans. Il a le droit de juger que Lolo, les gens ont été loin. Ah, il a le droit de juger que Lolo. Lui seul, il a le droit de tout juger. Mais la lionne n'a pas le droit. Tu t'entends parler? Mais maintenant, si lui fait des menaces que machin, il va parler, quoi que ce soit là, ça le regarde. Flop. Ça ne lui regarde pas, ça t'arrange. Ça vous arrange. Et sauf que tu as aussi raison. Flor n'a pas. Flor, j'ai dit que celui qui a quelque chose à verser par rapport à Flor de lui, qui verse. On n'a pas peur de ça. Et nous, on ne peut pas détester Flor de lui par rapport à ce que vous dites sur elle. Donc, allez bien reformer ce que vous allez dire. Depuis que vous-même vous formez les choses sur moi là, ou depuis que vous insultez Compresseur là, il y a quoi qui est sorti sur elle? Il y a quoi qui a sauté dans sa vie? Depuis vous avez vu son gars lui a barré pour ça, vous avez vu ça changer quoi dans la vie de depuis que ton amour Nivakin clash compresseur, ça a changé quoi sur elle? Pardon. Ça a changé quoi sur l'amitié de compresseur et Flor de Lille? Au contraire, ça les a encore bien attachés. Tu as vu aujourd'hui? Ma foi, il est cadeau. Elle est le 9 et le 10. Parce que je suis le 9 junior. Le 9 et le 10. On a fait les cadeaux pour les deux. C'est ça qui va vous tuer. C'est la jalousie là qui va tuer certains parmi vous. Je ne parle pas particulièrement du Kamer. Je parle aux autres aussi. C'est la jalousie là qui va finir avec vous. Pardon. Moi, ils sont amis. La relation de Flor et de Nibakin, c'est une forte relation. C'est des gens qui sont très proches. Donc même si Flor dit qu'elle a mis le devant pour parler de Nibakin, elle aurait deux mois. Je n'ai pas été du tout d'accord. C'est toujours ça que vous parlez. Il gonfle. Il gonfle. Il gonfle. Il gonfle. Il se croit déjà en train de clasher Flor de Lille. C'est pour ça que le stop tout de suite que toi, arrête là. Arrête-toi là où tu commences là. Parce que vous avez toujours dit, c'est son fils. Non, on ne peut pas lui parler parce que c'est le fils de Mafo. Moi aussi, je suis sa fille. Moi aussi, je suis sa fille. Et ça ne chauffe pas. Je suis sa fille. Dans les photos que tu as montrées aux gens que vous trois, et enlève mes mini-minots dans vos choses. Enlève-le quand vous faites vos bêtises. Enlève-le dedans.
Il n'est pas dans la bêtise. Tu manques vos photos pour dire que oh, tu te rallies à lui. Moi aussi, j'ai mes vidéos avec Mama Fo. Quand c'est bien amusé. Avant là, oui, tu pouvais parler, les gens comprennent. Vous avez dit qu'elle ne peut jamais m'inviter. Moi aussi, j'ai mes vidéos avec elle. Quand c'est bien amusé, ce n'est pas un concours. Moi, je n'ai même pas pris ça comme ça. Mais puisque vous voulez prendre ça comme ça, moi aussi, j'ai ma part. Et c'est aussi ma mère. Sur les réseaux sociaux, c'est ma marraine, en fait. Donc, arrêtez un peu. Arrête un peu de vouloir faire genre, tu veux me rabaisser. Tu ne peux pas me rabaisser du camé. Arrête de vouloir faire genre, tu veux me descendre. Tu ne peux pas. Tu veux rabaisser qui? Tous les jours, Maman Fo, elle parle de moi. Tous les jours. Donc, arrête un peu de vouloir faire comme si tu veux me descendre par, en disant que, wow, hein, Nivaki n'est plus est proche de Fleur de Lys. Moi aussi, je suis proche de Fleur de Lys. Tous les abeilles sont proches de Fleur de Lys. Il était proche avec quelqu'un. C'était son mari. C'est son enfant qu'elle a accouché. Non, parlons peu, parlons vrai. Quand tu dis ils étaient proches, non, on ne doit pas m'arrêter. Bolosangui aussi était proche de Fleur de Lys. Bolosangui, quand tu parles des choses que, wow, tu parles des choses de Nivaki, que, wow, Niva, tu veux faire comme si tu te moques par rapport à mon direct que j'ai fait. Bolosangui, ce n'est pas, vous êtes pareil, toi et Nivakin. Il a dit hier qu'il va faire pire. Donc, ça ne va pas nous étonner que toi, Nivakin, tu ne peux pas te rallier à Bolosangui. Tu as dit hier que tu vas faire pire, non? Nous, on s'attend à tout. Bolosangui, tu ris quoi? Vous êtes pareil. Manger et parler. Donc, on ne chie pas là où on mange, mais vous vous chiez là où vous avez mangé. Tu as fait le tiré jusqu'à dire que c'est vous qui avez dit que Bolosangui, toi-même, tu voulais faire la même chose. Ça, moi, je t'ai dit ça publiquement, je n'ai pas été d'accord. Voilà, tu n'as pas entré dans cette histoire-là. Mais toi, tu as le droit d'entrer. Lui, il a le droit d'entrer. Après, les gens vont t'encourager là-dedans. Moi, je... Dukamé, je suis blogueuse. J'ai le droit, j'ai le devoir, j'ai l'obligation de donner mon avis sur tout ce qui se passe sur la toile. Tout, je dis bien tout. Si elle ne donne pas mon avis sur quelque chose, ça veut dire que ça ne m'intéresse pas. Mais je peux quand même faire un post pour dire que je suis l'actualité. C'est pour ça qu'elle dit à certaines personnes que je ne peux pas mobiliser mon blog sur Lolo. Elle ne m'intéresse pas à ce point. Je ne peux mettre tous les jours en train de parler d'elle. Elle ne m'intéresse pas. Ce n'est pas un exemple pour moi. Que les gens vont suivre mon blog tous les jours, je prononce, je suis sur elle. Non, elle n'est pas mon idole. Je préfère que tous les jours, quand vous me suivez, vous m'entendez parler de Fleur de Lys. Vous m'entendez parler de compresseur. Là, on saura que non, celle-ci, elle aime bien ces deux mamans-là. Elle aime bien ces deux mamans-là. Donc, il faut un peu arrêter. Il faut arrêter. Il lançait des piques à Flore. Flore et Nivaki, c'est des gens qui se connaissent. Arrête ça. Il lançait des piques à Flore ou quoi que ce soit. Tout ce que je peux lui dire, c'est que Flore ne peut pas lui donner l'attention à 100%. Alors, ne donne pas l'impression, ne pas lui reprendre, croire que c'est Flore qui t'envoie ou quoi que ce soit. Moi, je t'ai dit que... Toi-même, quand tu combattais pour Flore de Lys, est-ce qu'elle t'avait envoyé un jour l'aider à combattre? Lui-même, Nivakin, quand il défendait Fleur de Lys, est-ce que Fleur de Lys l'avait un jour envoyé combattre quelqu'un? Ou bien, est-ce que Fleur l'avait un jour dit que demande à ces gens-là d'arrêter de me faire telle chose? Jamais. Il s'était levé, il a pris son téléphone. Hein? On lui a nourri. Quand on a arrêté de le nourrir, il a décidé de trahir Fleur de Lys. Et tu ne veux pas qu'on parle? Pas soi-disant, c'est des personnes qui se sont connues. C'est des personnes qui se parlent. C'est sa personne. Moi aussi, je suis sa personne. On a qu'à se respecter. Il attaque ma personne, je réponds. C'est parce qu'on a dit que je dois le laisser. Sinon, je devais bien l'appliquer. Ben voilà, Dukamé. Je suis blogueuse. Donc, Nivaki va faire du mal à Flore. Je vais laisser parce que c'est deux personnes qui se sont connues. Mais Bolosangui, même quand on combat là,
Elle, lui-même, ils se sont connus, non? Si c'est comme ça, c'est que les abeilles n'existent pas. C'est que les lionceaux n'existent pas. C'est que les chroniqueurs n'existent pas. Mais nous servons alors à quoi? Le blogging, c'est quoi du camé au juste? Tu veux m'expliquer? Je parle de ce que je veux sur les réseaux sociaux. Tant que voient que c'est quelque chose que j'ai raison. Vous avez vos blogs, non? Parlez des choses du Cameroun. Vous m'envoyez parler des choses du Cameroun, pourquoi? Vous avez vu ce qui s'est passé là, non? Sur le journaliste, là. Vous avez vu, non? Et c'est vous qui m'envoyez parler des choses du Cameroun. Comme si vous-même, vous n'êtes pas Camerounais. Je parle de vous. Vous êtes Camerounais. Fleur de lit que vous parlez là est aussi Camerounaise. Donc, on n'a qu'à se respecter. Fais attention à ces histoires-là. Après, libre à toi de faire ton blog comme tu veux. Voilà. Flo ne peut jamais être d'accord que tu clashes Nivakine. Même si Nivakine est fâché, Flo, ça va durer là, ils vont s'arranger. C'est pas... Mais tu crois que si Nivakine fait quelque chose, on ne va pas lui dire? Tu crois que quand je dis à Nivakine qu'arrête, c'est pour que Fleur de Lille arrête de l'écrire? C'est pour que Fleur de Lille ne lui dise plus bonjour? Pourquoi? Voilà Foufou que j'ai lavé ici, non? Elle parle avec Fleur de Lille, non? Mais moi, j'ai arrêté aussi de la laver parce que je respecte le choix de Fleur de Lille. Pourquoi Nivakine ne respecte pas le choix que Fleur de Lille a fait de se réconcilier avec Compressor? Pourquoi? Moi-même, j'ai lavé Foufou, bien. Mais quand j'ai vu qu'elle a demandé pardon, jusqu'à Fleur de Lille a appelé, j'ai compris que c'est bon. J'ai compris que c'est bon, parce que je ne suis pas dans la haine. Pourquoi Nivakine ne respecte pas la paix de Compressor et Fleur de Lille? Il doit faire pareil. Il n'est pas le parent de Fleur de Lille. Elle fait la paix avec qui elle veut. Le jour qu'elle se lève, elle dit qu'elle fait la paix avec Borosangi. Nous tous, on se calme. Elle dit qu'elle fait la paix avec n'importe qui. Nous tous, on se calme. C'est sa vie. Elle a sa vie réelle. Elle ne peut pas se passer sa vie à faire la haine. Non. Tu crois que nous, on défend Fleur de Lille pour qu'elle ne parle plus aux gens? Ou bien, comme je dis à Nivakine que tu as mal fait là, si demain il arrête, je serai plus capable de dire que comment tu vas, Nivakine? Mais attendez. Quand on te dit arrête, ce n'est pas te clasher. Même là maintenant, du camer, je précise bien que je ne te clash pas. Je décrypte ton live et je contredis ce que tu as dit sur moi. Voilà. Croyant dans ces idées qui sont là-dedans, Flo ne peut pas t'encourager dans ça. Et Flo t'encourage dans ça, puisque c'est ta personne, il t'encourage aussi dans ça. Il encourage Nivakine dans ça. Est-ce que Flo encourage Nivakine à insulter Compressor? Est-ce que Flo encourage Nivakine à faire ce qu'il fait là? Est-ce que c'est Flo qui a envoyé Nivakine faire monter Lolo dans son direct? Tu racontes quoi? Non, Flo elle-même ne peut pas dire qu'elle va clasher Nivakine. Nivakine est libre, c'est lui qui supporte Lolo, c'est son problème, c'est son agir. Ah, c'est quand ça t'arrange. Parce que Lolo, c'est ta personne. Parce que Lolo, c'est ta personne. Il est libre, ça t'arrange. Tu parles, tu secoues les épaules. Il est libre d'aller voir Lolo parce que c'est ta personne. Tu as du mal à clasher Lolo. Pourtant, elle te lave, elle te méprise. Elle te méprise comme jamais. Le 1er janvier 2023, elle t'a lavé bien. C'est elle qui a monté les gens. On est venu bien te menacer. C'est elle qui monte les gens pour qu'on te détruise, comme elle a fait sur Fleur de Lille. Mais c'est toi qui es tout derrière sa queue. Tu essaies de te coucher, tu t'en prends à Fleur de Lille, ton moins cher. Ce n'est pas que c'est ton moins cher. C'est parce qu'elle a le cœur d'une maman. Elle ne se voit pas en train de te laver. Mais continue de chercher. Lolo t'a bien lavé le 1er janvier 2023. Tu as parlé. Si tu fais trop, quand Ahmed Kamer lance la réplique, toi aussi tu fais semblant de répondre. C'est le semblant. Tu ne peux pas clasher Lolo que tu clashes. Hein? Elle t'a agressé, comme tu dis. Elle a tout fait ce que tu dis là. Sauf si tu mens. Mais regarde-toi quand tu parles d'elle. Comme un amoureux. Comme quelqu'un qui veut faire l'amour avec elle. Mais c'est nous que tu viens critiquer. Quelqu'un envoie qu'on te menace. La personne, tu ne t'en... La personne, non. On a le droit de l'aider. Mais moi, que je ne t'ai rien fait, toi, tu dis que tu es mon papou. Tu me verses à la verdict populaire.
Tu peux appeler les gens avec qui je suis en difficulté. Tu peux les appeler. Parce que c'est toi seul qui as le droit de faire ça. J'ai quand même, il faut arrêter. Il faut arrêter. Contente que tu fais ça. Flore ne peut pas se réjouir. Tu ramènes toujours Flore dans le problème là. Alors que j'ai précisé ici, mes amours, que Flore de Lille ne m'a envoyé rien faire. Flore de Lille n'est pas dedans. J'ai précisé ça ici. Mais lui, comme il veut que Nivakin clash Flore à tout prix, que cache-cache, pour dire ce qu'il est en train de dire, comme il dit qu'il avait tout versé là. Pour écouter ça. Comme il aime le show là. Il part commencer à prononcer le nom de Flore de Lille là-bas. Dis-la à mon soeur, moi, elle était bloquée de mon live. Moi, j'avais vu parler, c'est ma fille. Après, libre à elle, fait. Moi, j'ai dit non. Je suis ta fille, tu as mon numéro. Mais tu viens sur les réseaux sociaux. Tu peux appeler mon adversaire derrière. Tu viens sur les réseaux sociaux me laver. Flo n'a pas envie. Ça, je t'ai dit ça ce matin. Flo n'a pas envie que les gens attaquent pour elle. C'est comment ma panthère d'amour? La panthère du dé, mon général. Comment tu vas? C'est ce dont. C'est ce dont on accuse. On accuse le loup. C'est ça qu'on accuse Louis. On accuse le loup. C'est ça qu'on accuse le loup d'utiliser les gens. Donc Flore ne peut pas ça. Heureusement que tu reconnais. Mais c'est toujours Flore que tu insultes. Tu acceptes qu'on dénigre dans ton bloc. Josiane Shop est une Camerounaise basée au Maryland qui vend de très beaux vêtements. Elle vend une belle robe. Voilà. Non. Flore ne peut pas accepter qu'on clash les Bakin. Détrompez-vous. Ils ont le droit d'avoir des problèmes. Écoutez ce qu'il dit. Non. Flore ne peut pas accepter qu'on clash les Bakin. C'est sa personne. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Elle ne peut pas accepter qu'on clash les Bakin. Mais ce n'est pas. Il s'attaque aux gens. Donc, ça n'engage que lui. Flore ne va pas venir porter ses problèmes sur les réseaux sociaux. Vu qu'aujourd'hui, il a dit que non, il n'est plus avec elle. Flore ne va plus. Il a dit qu'il avait des ténébreux. Flore va venir encore porter ses problèmes par rapport à quoi? Il a dit qu'il avait Lolo, que Lolo porte ses problèmes. Mais c'est ça qui est ça. Que Flore ne va jamais accepter qu'on clash Nivakin. Je le lave comme je veux. Mafo n'entre pas dans nos choses. Et si elle veut, elle entre. Ce n'est pas un problème. Elle a le droit. Nous sommes ses enfants. Elle peut entrer, elle calme. Elle peut entrer, elle fait ce qu'elle veut. C'est son droit. D'accord. Voilà, il ne faut pas l'entrer dans les histoires. Moi-même, je n'entre pas là-dedans. Josiane Shop. La panthère d'Indé. Femme qui vend les vêtements aux États-Unis. Allez-vous vous abonner sur sa page. Elle vend de beaux trucs. Voilà, allez sur sa page. J'ai réglé sa page. Exactement. Mais je suis en train de vous dire la vérité. C'est des amis. Ce n'est pas qu'il n'est pas en train de s'attaquer à Flore. Il s'attaque. Il essaie de s'attaquer. Il s'attaque à son ami, c'est à son ami. Mais pourquoi tu ne veux pas dire les choses comme c'est du Camer? Tu dis que je n'ai pas dit qu'il ne s'attaque pas. J'ai dit que non, il essaie de s'attaquer à Flore. Qu'est-ce que tu dis? Il s'attaque, Nivakin s'attaque à Flore. Tu bégayes quoi? Du Camer, tu bégayes quoi? Parce que tu veux que les gens me détestent. Comme moi, tu veux que les gens me condamnent. Tu dis que non, il essaie de s'attaquer à Flore. Pour qu'on comprenne que ce que tu es en train de dire sur moi, c'est vrai. Du Camé, il faut arrêter. Il faut arrêter. Hein? Tu ne vois pas que tu perds de la crédibilité devant tout le monde. Il essaie de s'attaquer. Non, il s'attaque. Non, il essaie. Et tu dis que c'est sa personne. Son père ne sait que c'est un petit frère, ça va lui passer. Quand il a eu des problèmes avec DiCaprio,
Stream seulement peut-être sur les réseaux, mais il respecte aussi, voilà, il respecte aussi l'amitié quand même, moi je pense. Ça va. Lydie, c'est ça le Cameroun, Lydie. Lydie dit que le Cameroun pleure son fils sauvagement assassiné, Martinez Ogo. C'est ça le pays. Quand tu vois les gens, ils disent que l'Alliance parle les choses du Cameroun. Vous avez vu ce qu'on a fait à Martinez Ogo, Monsieur Martinez Ogo? Vous avez vu ou pas? C'est l'Alliance que vous voulez envoyer, fille unique, qu'on égorge, on jette, on pine, par la nuit, on saccage, on jette. C'est moi que vous voulez envoyer qu'on tue? C'est moi? Vous m'aimez trop. Allez, même m'insulter pour rien. Et je ne voulais pas que tu viennes me poser des questions. Tu viens. Viens. C'est par rapport à ça. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas la chronique où tu vas donner. Tu pars sur ta page. Tu exprimes tes sentiments. Si tu es d'accord ou toi, si tu vas aller en guerre avec Ivan, tu vas. Mais le gars est là. Moi je suis là pour m'exprimer là-dessus. Exprimer là-dessus. Je ne suis pas d'accord par rapport à la Lyon. Celle qui est comme ma fille. Et j'ai non. Et j'ai pas. Au fait, je lui dis même ce qu'elle a fait avec Fallon, je dis jamais. C'est clair. Tu peux pas dire je respecte du cabinet, tu prends. Celle qui dit c'est clair là. Oh. Celle qui dit c'est clair là dans la vidéo, c'est sa soeur de Mali. De, où c'est Marie? On dit Marie Ngombe. Où c'est Mali Ngombe? C'est sa soeur de Mali Ngombe. Sopi. Fallon, c'est aussi sa soeur de Mali Ngombe. Donc, quand elle dit que je ne suis pas d'accord avec ce que... Mettez les cœurs, mes bébés. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. C'est comme si on est en train d'attaquer le direct. Mettez les cœurs. Allez-y, mettez les cœurs, mes amours. Tu l'as insulté parce que tu l'as traité du bordel. Tu ne la connais pas, tu l'as revue. Et moi, je vais rire avec ça. Il dit non. Ça veut dire qu'on doit se méfier de toi. Vous êtes là pour encourager les gens. Et c'est parce que... Vous m'écoutez. Si vous m'écoutez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs aussi en commentaire pour que vous m'écoutez. Je vois. C'est comme si mon live bug. Voilà, merci. C'est bon, je vois. Partagez aussi au maximum, mes amours. Partagez, 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 partagez. Vous ne les avez jamais aimés. Vous ne les avez jamais aimés. Sentiment là-dessus, en fait. Je ne voulais même pas prendre des gens. Mais j'ai dit que je n'ai pas aimé. Je ne suis déjà pas d'accord que le Mbaki clash floor. Je peux exprimer cet avis-là. Tu je suis plus d'accord que la Lyon soit en train de reprendre Mbaki. Ah, donc tu avoues que Niva King clash floor. Tu avoues donc que Niva King clash floor. Et tu ne veux pas qu'on réponde à Niva King. Tu ne veux pas qu'on lui parle. Lui seul, il a le droit de clasher floor. On le laisse. Qui vous a mandaté? Qui vous a mandaté? Qui vous a dit que vous avez, comme vous, vous avez eu à passer un moment avec Flor de Lille, vous avez le droit de lui parler n'importe comment sur les réseaux sociaux. Qui vous a mandaté? Vous venez dire qu'elle parle des choses du Cameroun. Quelles choses du Cameroun? Vous-même parlez des choses du Cameroun. Comme vous êtes trop le gros cœur, parlez des choses du Cameroun. Vous êtes fort, non? Vous êtes qui? Vous êtes même en bain, non? Parlez! Parlez comme vous êtes fort. Pourquoi vous envoyez la Lyon parler de ça? Parce que quand je vous parle un peu, vous dites que parlez des choses du Cameroun. Vous-même parlez des choses du Cameroun. Vous êtes fort, non? Parlez. C'est vous qui êtes les grands blogueurs. C'est vous qui avez le droit de tout parler. Vous-même, parlez les choses du Cameroun. Voilà. J'attire son attention. Je t'ai dit, je vais t'écouter, tu connais un peu ma. Et t'as dit Larissa. Non, Larissa, ils sont.
toujours là que oh, tu dois parler les choses du Cameroun, tu dois parler les choses. Parlez, vous-même, vous avez vos blocs, vous avez vos caméras, vous avez vos courage. Ouvrez, vous parlez, vous prononcez les noms. Vous êtes même en Bengue, on ne peut pas venir vous arrêter là-bas. Parlez des choses du Cameroun. Parlez. Vous êtes fort, non? Parlez. On vous écoute. C'est la lionne que vous avez vue pour envoyer. Je suis votre moins cher. Comme vous ne voulez pas me voir sur les réseaux sociaux, vous voulez qu'on me finisse une fois. Va parler les choses du Cameroun. Vous-même, ça a dépassé les plus grands médiateurs. C'est la lionne qui va venir porter sa bouche pour venir mettre dedans. Pour que demain, vous m'insultiez. Toi-même du Cameroun, après, tu vas venir dire que la lionne met ses choses dans la bouche des gens du Cameroun. Toi-même, tu vas faire, on va m'arrêter. Toi-même, parce que tu n'es pas petit. Toi-même, tu vas faire, on va m'arrêter du Cameroun. Tu seras content qu'elle tombe dans ce piège. Tu seras content qu'elle tombe dans ce piège. C'est pour ça que vous êtes toujours en train de me conseiller, que vous, comme si vous m'aimez, que parlez les choses du Cameroun. Parlez aussi. C'est vous qui allez en Bengue, non? Parlez, on voit. Vous croyez que je suis l'enfant du fou? Qui est fou? Non, mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Que tu dises que, voilà, il ne faut pas, il faut respecter. Il faut respecter quand même la famille. Il y a des limites. C'est sa soeur-ci qui était chez les Ténébreux. Hein. C'est sa soeur-ci qui était chez les Ténébreux. Elle insultait Fleur de Lille. Elle insultait Ducamer. Lui-même. Elle insultait vraiment tes soeurs comme son, comme toi. D'accord avec toi. Après, voilà. Même si il y a un souci, je crois que... Mais oui, parce que toi-même, j'ai allumé ma caméra, parce que toi-même, tu as allumé ta caméra sans m'appeler. Là, tu viens en direct, on te parle. Là, tu viens en direct. Mais pas... Mettez les cœurs, mes amours, mon direct est attaqué. Moi, je dis parce que je la connais, elle ne peut pas. Si elle est différente, elle va se calmer, ils vont arranger. Elle peut comprendre sa colère. Elle peut comprendre. Parce que pour attirer l'attention. Non, c'est pas pour attirer l'attention, c'est que... Quand vous dites que Nivakin clash pour attirer l'attention, vous voulez prouver quoi? Moi, je comprends, parce que le flot ne peut pas donner l'amour. Quelqu'un dit que maman grosse lèvre, j'assume, sont tes lèvres. Et les gens autour d'elle réclament plus d'attention, plus de... Est-ce qu'elle est là? Elle ne peut pas. C'est une fille qui est occupée. Elle était au Cameroun il y a quelques temps, là, voilà, qui est déjà là. Elle est occupée, elle ne peut pas. Donc, c'est ce que je peux dire à Nivakin, ici, là, son attente. Mais toi-même, tu as eu à défendre Fleur de Lille, non? Elle t'avait mandaté. Tu n'as pas que pour elle et sa mère. Tu peux avoir du temps, des amis, tout ça. Et ceux qui la soutiennent ont besoin qu'elle soit là. Elle ne peut pas. Et puis, elle ne peut que donner ce qu'elle a donné. Hein. Voilà. Il faut qu'ils se contentent de ça. Que de demander plus. Venez apprécier Nivakin. Nivakin, c'est un gars que j'aime bien. C'est un gars sympa. C'est un gars sympa. Écoutez. Ducamé dit que c'est un gars sympa, que Nivakin c'est un gars sympa, c'est un gars trop bien. Il a le droit de ne pas être content. Retenez ça, hein. Ce droit-là. Et quand tu t'attaques à lui, il a ses amis. D'accord? Il a ses amis. Et même Flo est son ami. Ah, il a ses amis. Donc, comme pour me dire, Ducamé dit que quand tu t'attaques à Nivakin, il a ses amis. Comme pour me dire qu'il est son ami. Même Flo est son ami. Mais sauf que, il a dit qu'il n'est plus avec Flore. Nous sommes d'accord, Ducamé. Tu ne peux pas former un clan pour me détruire. Sauf que, il a dit ouvertement devant les gens qu'il n'est plus avec Flore, qu'il n'est plus avec les abeilles. Donc, ton petit plan, tes petites pistes que tu es en train de prendre pour descendre mon bloc là, Ducamé, c'est zéro. Donc, tu dis que comme il a les amis, donc toi tu es son ami. Tu viens allumer aussi ta caméra, que oh, tu veux aussi le défendre. Dans quoi? Dans quoi, Ducamé? Tu veux le défendre dans quoi? Tu n'as pas honte? Dans quoi tu veux le défendre, Ducamé? Voilà le compresseur que tu défendais le matin. Comme non, avec sa posture de maladie, on ne doit pas l'offenser.
Quelqu'un allume la caméra à 9h, pendant que nous sommes en direct, il est en train d'insulter le compresseur. Tu ne défends pas. Tu viens dire que non. Comme lui, il parle, il a ses amis. Donc, le compresseur n'a pas aussi ses filles. Fleur de Lys n'a pas ses filles. Tu as menti. Les lèvres de sang. Même Nibaki n'est pas quelqu'un qui est foncièrement méchant. Hein. Je me souviens, il avait fait un clash là avec Leonardo DiCaprio. Quelques jours après, ils se sont arrangés. Il n'est pas méchant parce qu'il n'est pas méchant maintenant, Ducamé, parce que ça t'arrange. Parce que tu veux qu'il clash Flore. Il n'est pas. Tu veux ça. C'est le dolé qui te sucre actuellement. Tu veux ça. C'est pour ça que tu dis qu'il n'est pas méchant, il n'est pas. Mais il fut un temps ici. Ça ne fait pas 3 mois. Tu lui as lavé bien. Tu lui as dit comment il était ceci, il était cela. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est terrible. Moi, je pense qu'il reste... Comme il s'attaque à Flore, il n'est pas méchant. Comme il s'attaque à Flore de Lys, le compresseur, il n'est pas méchant. Tu as raison, mais il respecte aussi. Il n'est pas méchant. Tu dis qu'il n'est pas méchant. Il m'a insulté pourquoi? On se connaissait. Lui et moi, c'était quoi? Tu dis qu'il n'est pas méchant. C'est quand ça t'arrange. L'amitié, quand même, moi, je pense. Ça va. Elle va maintenant, elle est torturée, elle est même insultée. Je ne voulais pas que tu viennes me... Maman, il a juste retourné sa chemise. C'est que la fille, c'est qui parle, c'est une ténébreuse. Elle savait que si tu étais comme ça, tu ne partais pas de la logique. Parce que tu avais tombé en bas, c'est déjà arrivé ça. Sopi qui défend. Lui-même, il dit que wow, c'est qu'elle parlait avec Sopi, c'est monté, c'est descend. Lui-même, il se met encore en direct, il dénigre encore sa soeur Sopi. Ouais, Seigneur. C'est ta soeur qui doit me clasher. Toi qui as dit que je suis ta fille là. C'est ta soeur qui doit me clasher. Mais je ne dois pas répondre. C'est comme ça. Oh, tu as menti. Donc, mes amours, c'était en passant. Je vous ai dit que vous allez me clasher. Je vais décrypter vos lives. À présent, je décrypte, je suis l'actualité. C'est lui qui fuck up, je décrypte son live. Je décrypte bien son live. Je ne l'insulte pas, mais je décrypte. C'est comme ça. Je dément ce que tu as menti. Ça serait comme ça. Vous n'allez plus accuser les gens à tort et à travers. Vous n'allez plus acculer, ou c'est, on dit souvent acculer. Vous n'allez plus accuser les gens à tort et à travers. Vous voulez toujours mentir sur les gens. Vous voulez tout rabaisser les gens. Vous voulez toujours mépriser les gens à tort et à travers. Ducamé, n'essaye plus d'aller là où on m'insulte. N'essaye plus. Parce que c'est pas toi qui m'as amené ici. N'essaye plus. Je suis désolée.
Donc le chef peut être rallié avec qui que ce soit pour vouloir me combattre. N'essaye plus. Ça ne vaut pas la peine. Comme tu dis que Nivakin a ses amis, tu viens te présenter que comme toi, tu es son ami, tu veux commencer à me clasher. N'essaye pas de descendre à la boue. Reste là où je t'ai mis là. Reste là où moi, je t'ai mis là. Si tu descends, c'est mauvais. Tu me connais. C'est mauvais. Reste là-bas. Reste là où je t'ai placé là. Donc, c'est ça que je voulais vous dire, mes amours. Et maintenant, la dame du Canada, là, Borosangi. Borosangi, tu te réjouis que j'ai fait les progrès à Nivakin, qu'on s'est piqué. Tu te réjouis de quoi? Jusqu'à tu dis que, hein, que moi-même, vous avez cherché à me rabaisser ici et tout. Qui t'a rabaissé? Tout ce qu'on disait de toi, Borosangi, tout ce qu'on dit de toi, c'est vrai. C'est vrai. Qui a menti quoi? Ma foi, explique tes problèmes ici là. Qui a menti? Si on a menti sur quelque chose sur toi, dément. Dément. Tu commences à te réjouir, mon fils. Ah, mon fils Nivakin. Ah, mon fils, mon fils. Vous n'avez même pas honte. Vous ramassez tous ceux qui deviennent palapala. Borosangi, c'est la magie. Tous ceux qui deviennent palapala, c'est ça que Borosangi ramasse. Mais que... Hein? Bon, je voulais aussi parler à Tata Coco. Tata Coco, vraiment, hier, je t'ai parlé, mais j'ai constaté que tu as un problème. Tu as un problème, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne connais pas ton problème. Tu as un problème que tu ne veux pas, accepter que tu es descendu, qu'il faut descendre avant de remonter. Tu ne veux pas accepter et c'est difficile. C'est difficile. Ça va finir. Tu vas finir par faire comme mes coups, comme Wopsor faisait un temps. C'est pas bon. Tata Coco. C'est pas bon. Il faut accepter que tu es descendu. Puis, tu acceptes la nouvelle chance que Dieu t'a donnée. Tu continues avec. C'est ça. Tata Coco. Il faut accepter. Je vois comment tu te bats à faire les lives. C'est l'énergie à faire les lives tous les jours comme ça. Chaque minute, tu es obsédé. Non. Tu es d'abord là que ton mental est d'abord bas. Moi, vraiment, elle a... Non, c'est pour ça qu'elle dit que tu as un mental d'acier. Parce que vraiment, je ne sais pas. Tata Coco, arrête tout ça. Oui, tu peux faire peut-être un direct. Je vois, tu dis que ce que tu dis que je peux vous faire les lives, les trucs de TikTok. C'est bien beau. Les gens, les jeunes aiment te voir comme ça, mais ce n'est plus de ton âge. Il s'agit de ta vie. Il s'agit que tu dois te déposer, Tata Coco. Tu dis seulement que non. À l'heure, si je suis déjà à terre, il faut que je remonte doucement, Tata Coco. Donc, arrête de je ne sais pas, tu plonges encore bien dans ta douleur. Arrête. Ressaisis-toi, concentre-toi sur ta vie, Tata Coco. Tu es une femme pleine de talent. Pleine de talent. J'ai connu ta page Coco Cuisine. Quand tu partais là-bas, la salive descendait. Elle descendait. Parce que la présentation de la nourriture, c'était elle. Elle faisait dans tout genre. Je me suis même dit que, ouais, elle travaille dans quel grand hôtel là-bas en Bengo. Ou elle a quel grand restaurant en Bengo. Non, tu ne vas pas descendre encore plus bas que ça. Oh, je fais TikTok. Non. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est pour tout le monde. Mais tu as les problèmes. Il faut un peu te ressaisir. Et ne dis plus tout. Voilà ma foi. Elle a dit que l'année, si elle n'est pas souvent, on ne va pas l'entraîner n'importe comment. Quand ça ne va pas, tu t'arrêtes. Ich. Quand ça ne va pas, tu t'arrêtes, tu reprends. Ça ne va pas te tuer, Tata Coco. Ça ne va pas te tuer. Ça ne...
Ça ne va du tout pas te tuer. Donc, Tata Coco, ressaisis-toi, tu arrêtes de t'acculer, de te mettre la pression, de toujours vouloir prouver à tes followers. Non, même les followers qui nous regardent là, c'est pour ça qu'il y a certains qui nous aident. Ils savent que quand on fait le direct parfois comme ça, on a les crédits, on a les problèmes, on doit se nourrir. C'est pour ça qu'il y a certains mamans qui nous appellent pour nous aider. Parce qu'ils savent qu'on en a besoin. Donc tu n'as pas besoin de... Non. Quand même, ne descends pas. Déjà, là où tu es descendu, là, Tata Coco, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Et arrête d'allumer tes bougies, tu fais tes trucs que tu fais là. Arrête. Dieu n'est pas compliqué. Dieu, tu te mets à genoux, tu pries. C'est tout. Compliqué avec les bougies, les trucs là, c'est quoi? C'est quoi tout ça? Dieu est simple. Priez Dieu simplement. Que quelqu'un ne vous dise pas que prends le parfum, si tu utilises, Dieu va venir. Ou bien que prends ça, tu mets comme ça, Dieu va venir. Non. Dieu est simple. Tu pries simplement, il vient simplement. C'est tout. C'est pas trop, c'est pas dur. Donc, c'est un peu ça, mes amours. Bravo, Malion, pour ce direct. N'a pas clashé du camel ni insulté, mais juste tu lui as montré qu'on peut élever son enfant, mais il devient adulte et libre de ses choix. Merci, ma mère chérie, Roxane. J'ai pas voulu, vous savez, ils prennent toujours les prétextes que, oh, la lionne va clasher. Non, j'ai pas voulu clasher. Et même le titre du journaliste que j'ai mis qu'il est décédé, R-A-I-L-A, moi, je voulais pas parler de lui. C'était juste un titre pour dire aux gens qui disent que je parlais des choses du Cameroun là. Vous-même, parlez. Parlez. On vous écoute. Moi-même, je vous écoute. Nous tous, nous, on s'écoute. Mettez la caméra. Vous parlez des choses du Cameroun. On vous écoute. Voilà. Donc, mes amours, merci de m'avoir suivi. C'était la Lionne internationale. Merci à la jungle des lionceaux. Merci aux sympathisants. Merci à la Tekasi. Merci aux abeilles de toujours être là pour nous soulever, pour soulever votre fille. Merci, 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 merci. Donc, mes amours, n'arrêtez pas de partager, liker la page, partager, abonnez-vous au maximum. Pause publicitaire pour avoir un teint lumineux, éclatant, lisse, comme vous voyez. Utilisez la gamme CR Beauty. CR Beauty, c'est une gamme de produits cosmétiques contre les taches. Tout problème de peau, ça traite. C'est-à-dire vos petits problèmes de taches, hein, les rougeurs, les trucs comme ça, c'est Abuti. Elle a la solution à votre problème. Ça, c'est le lait corporel, c'est Abuti. C'est ça que j'utilise, c'est le secret de ma peau. Vous-même, vous connaissez. Et c'est Abuti, c'est le meilleur choix. C'est ça qu'il vous faut, pas autre chose. C'est Abuti qu'il vous faut. C'est ça, le secret de votre peau. Donc, si tu as un problème, les entrecuisses qui sont noires, les aisselles qui sont noires, les quintos, donc, tu utilises la gamme CR Beauty. La gamme, elle coûte 100 euros seulement. La gamme contient la lotion pour visage, la crème pour visage, le lait de beauté, le gommage corporel, et j'ai oublié quoi, mes amours, c'est tout, non? La crème du visage, le lait pour visage, la lotion pour visage, le gommage corporel, et quoi encore? C'est tout. C'est tout. Donc, et le gel de douche, merci. Et le gel de douche, donc, ça fait 5 produits à 100 euros seulement. C'est le moins cher, mais c'est bon. C'est original. Donc, commandez votre gamme CR Beauty. N'hésitez pas, c'est le secret de ma peau. Et merci pour tous ceux qui m'encouragent. Merci pour tous ceux qui commandent CR Beauty grâce à la Lionne.
Merci pour vos appels pour me conseiller. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Ne doutez jamais de moi, mes amours. Jamais. Comptez toujours sur moi pour le positif. Je ne rentrerai jamais dans le négatif. Quand ça me pique, je viens, je parle. Si vous me calmez, je vois qu'elle veut me calmer, je me calme. Je vous ai dit que je suis votre fille la plus récalcitrante. Mais, je ne fais pas du sale. Je ne fais pas du sale. Parce que si elle fait du sale dans la vie privée des gens, demain, je pourrais faire ça aux autres. Même aux gens que j'aime. Et c'est ça que Ducamer, tu n'as pas bien expliqué. Parce que tu as dit que de la façon dont je fais, peut-être je pourrais faire ça demain aux gens que je supporte jamais. Sauf que ce n'est pas la vérité. Moi, j'ai mes limites. J'ai mes limites. Tu as vu, aujourd'hui, quand j'étais clash, quand je t'ai répondu là, est-ce que je t'ai clashé? Est-ce que j'ai clashé Nivakine? Non. Non. Mais vous, vous allez dire que oh, c'est monté, c'est descendu. Ça n'engage que vous. On n'a qu'à se respecter. Donc, bonne soirée à vous et à plus tard. Commandez votre Gansier Beauty.